Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. En ce lundi de deuil national, comme en France, les Polynésiens ont rendu un dernier hommage à Jacques Chirac, à Ouapo, au commissariat, mais aussi à Tahiti. De nombreuses personnes ont tenu à saluer sa mémoire. Le procès de l'affaire Sarah Nouy s'ouvre demain au correctionnel. Retour dans ce journal sur cette vaste affaire de trafic d'ICE dans laquelle sont impliquées 14 personnes, dont Tamato Alfonsi et Maite Danielson. Également dans cette édition, le ras-le-bol des usagers des transports publics de la côte ouest. Chaque après-midi, ils sont une centaine à l'arrêt de bus de Papeete à attendre debout sous le soleil ou la pluie. On parlera aussi santé. 40% de Polynésiens en surpoids sont obèses. Le nouveau centre Oraora a été inauguré aujourd'hui pour une meilleure prise en charge des patients obèses et diabétiques. Enfin, ce début de semaine au cœur du Finnois vous emmène à Mahina où Fredo Villierme, ancien pêcheur, se passionne désormais pour les plantes. Mais d'abord, Jacques Chirac a été inhumé lundi après-midi au cimetière Montparnasse au terme d'une journée d'hommage. En ce lundi de deuil national, les Polynésiens ont tenu également à célébrer une messe à l'église Mariano Tehau en hommage à l'ancien président de la République. Natacha Silagi était sur place. Merci d'avoir compris et d'avoir aimé la Polynésie et les Polynésiens. Ces quelques mots seront désormais définitivement inscrits dans le livre d'or des obsèques nationales qui ont eu lieu aujourd'hui à Paris en l'église Saint-Sulpice pour Jacques Chirac en présence du ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou, de la députée Maïna Sage et de l'ex-président du pays Gaston Flos. Ce soir, c'est la Polynésie qui rend hommage à l'homme d'État en présence du gouvernement de la Polynésie française, des autorités de l'État et du pays et d'une partie de la population. Si l'on devait retenir deux choses pour Jacques Chirac et ses liens avec la Polynésie, ce serait évidemment la reprise des essais nucléaires en 1995 et leur arrêt définitif l'année suivante, et aussi sa décision de pérenniser à vie la dette nucléaire. Deux choses absolument incontournables pour parler des liens entre la Polynésie et Jacques Chirac. Et vous allez entendre le président du pays, Édouard Fritch. Il était plutôt ému tout à l'heure. Vous savez, nous avons, je crois qu'on est nombreux, je peux le dire, nous avons souffert de n'avoir pas pu participer aux obsèques du président Chirac. Et c'est notre façon à nous de rendre hommage au président et le remercier, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait de bon et un petit peu de pas bon pour la Polynésie française, mais en tous les cas, c'est un homme que nous avons, pour qui nous avons eu beaucoup d'affection, nous avons beaucoup aimé. Et voilà, et c'est nous qui concluons donc cette journée de deuil du peuple français à son ancien président. Vous l'avez entendu, Édouard Fritch tenait absolument à rendre hommage à l'homme d'État qu'était Jacques Chirac, et ce sera une façon de lui dire évidemment un dernier au revoir, un dernier adieu. Et comme toutes les institutions publiques, le Haut-Commissariat a observé une minute de silence à la mémoire de l'ancien président Jacques Chirac, un homme politique pas très connu des jeunes, mais les anciens se souviennent d'un homme engagé en faveur de la Polynésie. Brigitte Olivier, Marcel Bonneau et Mirko Van Fou. Ouh, qu'est-ce que je retiendrai de Jacques Chirac? C'est un homme qui a bien aidé la Polynésie. Quelqu'un de bien, c'est tout, c'est ce que je pense. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour la Polynésie française. Je crois que c'est un homme qui a vraiment aimé les Polynésiens. Très apprécié quand même tous les Polynésiens. Malgré il y a eu le truc sur Mauroa, mais on ne pouvait pas faire autrement. Hein. Il fallait qu'il finisse les essais nucléaires. Changement d'ambiance quelques heures plus tard, avenue Povana à Opa. Plus solennel pour l'hommage officiel rendu à l'ancien président de la République. Les fonctionnaires de l'État, mais aussi du pays, ont été conviés à respecter une minute de silence. Le président Fritch est venu en voisin et en l'absence du haut-commissaire en déplacement à Paris, c'est Cécile Zaplana, secrétaire générale adjointe, qui est chargée d'organiser la cérémonie. La journée du lundi 30 septembre 2019 a été décrétée journée de deuil national en souvenir de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Au moment où un hommage solennel lui est rendu, tous les services de l'État et de la Polynésie française saluent sa mémoire en observant avec un profond respect une minute de silence.
La Marseillaise sonne la fin de cette minute de silence et chacun repart à son travail en ce jour de deuil national. Et parce que les écoles honorent aussi leur président à Ouapo ou aux Marquises, une minute de recueillement a été observée par les élèves de l'école primaire de Hakahau. Parmi les jeunes générations, peu nombreux sont ceux qui peuvent avoir un souvenir de l'ancien locataire de l'Élysée entre 1995 et 2007. Le maire de Ouapo a d'ailleurs rappelé lors de cet hommage quelques phrases cultes de l'ancien chef de l'État ou encore de grands moments des mandats de Chirac, tels son refus de participer à la guerre en Irak en 2003. Et à Paris, avant l'inhumation de l'ancien président de la République, une messe a été dite à l'église Saint-Sulpice en présence de plusieurs chefs d'État étrangers et personnalités politiques dont faisaient partie Gaston Flosse et Jean-Christophe Buissou, Marie Radovic, Philippe Hernando. Il est midi quand arrive devant Saint-Sulpice le cercueil de Jacques Chirac enveloppé d'un drapeau tricolore. À l'intérieur de la cathédrale, ils sont près de 2000 invités, venus du monde entier pour saluer la mémoire de l'ancien président. Parmi eux, un homme particulièrement ému, l'un des fidèles de Jacques Chirac, Gaston Flosse, venu accompagner dans son dernier voyage son compagnon de route. En le voyant arriver dans son cercueil, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Effectivement, nous étions très très liés, les parents de mon fils. Et sa perte vraiment, c'était le plus grand bienfaiteur de la Polynésie. Jamais aucun président n'avait fait autant pour la Polynésie. J'ai été témoin de son amour pour la Polynésie. Et il y avait chez lui à la fois une volonté de comprendre, de partager cette culture, le sentiment d'une population qui avait le cœur sur la main. Et c'était véritablement des racines qu'il ressentait très profondément en lui. Un président de la République attaché à la Polynésie. C'est l'image que veut en retenir aussi le représentant du gouvernement polynésien pour cet hommage solennel. C'était un ami de la Polynésie et quelqu'un qui aimait les Polynésiens. Ça se sentait lors de sa visite en 2003 en Polynésie. Il a été accueilli par plus de 30 000 personnes à l'occasion d'une soirée. Jacques Chirac a été inhumé ce lundi au cimetière du Montparnasse. Une cérémonie dans la plus stricte intimité. Retour au Fénouan avec l'ouverture demain du procès Sarah Nouy devant le tribunal correctionnel. Une vaste affaire de trafic d'ice dans laquelle 14 personnes, dont Amato Alfonsi, seront jugées pour avoir écoulé de la drogue en Polynésie. Le résumé des faits avec Axel Mézinel et Théronou Vernoudon. Tout a débuté par un accident mortel de la route en 2018. Le conducteur était sous ice. Interrogé par les enquêteurs, il a dénoncé son dealer. Un homme qui, l'enquête le démontrera après, vendait également des puces téléphoniques aux trafiquants. Ce dernier est mis sous écoute, ce qui permettra d'identifier les différents protagonistes du trafic d'ice et surtout les deux fournisseurs qui sont au Mexique pour l'un et en Californie pour l'autre. Il s'agit de Tamato Alfonsi et de Metey Danielson qui seront jugés en janvier prochain dans le volet international de ce dossier. Ce procès de 3 jours va s'attacher à comprendre l'organisation locale de cette affaire dite Sarah Nouy. Un homme, Francis Tarano, est accusé d'être à la tête du réseau à Tahiti. L'enquête a mis en évidence qu'il trafiquait du paca et qu'il se servait de l'argent récolté pour acheter de l'ice. D'ailleurs, 49 millions de francs ont été trouvés à son domicile. Plusieurs revendeurs comparaîtront lors de ce procès, parmi eux un instituteur d'une école de papeété. Particularité de ce dossier, plusieurs armes ont été saisies lors des perquisitions. Voilà une affaire à suivre. Dans l'actu sociale, peut-être la fin du conflit à l'intercontinental de Mouria. Un projet d'accord de fin de grève a été présenté aujourd'hui à la direction par le syndicat Ohoet Orima. Selon nos confrères de Tahiti Info, un accord devrait être trouvé d'ici mercredi. Je vous le disais en titre, la galère des usagers des transports publics sur les 650 points d'arrêt sur l'île de Tahiti. Beaucoup ne sont toujours pas aménagés. Exemple au cœur même de Papeete, sur l'avenue du Maréchal Foch, à l'arrêt de bus de Punaoyapaea, dès 14h30, eh bien, ils sont des centaines à attendre les bus debout, en plein soleil ou sous la pluie. Il n'y a quasiment aucun banc et très peu d'abris. David Kouanon, Patita Savia. Ça ne saute pas aux yeux, mais ici, normalement, c'est un arrêt de bus. Ou plutôt un lieu où le bus s'arrête, car on est loin du standard de l'arrêt de bus. Et pour les pauvres passagers en attente, c'est fiou.
On ne sait pas à quelle heure ça arrive. Hein. Pourquoi à côté de ce poteau? Ce poteau-là, c'est un appui. Et ça ne se fatigue pas, comme il n'y a pas de banc pour s'asseoir. Il n'y a pas assez de banc, on va dire. Ça, c'est un souci pour vous? Oui, c'est un grand souci, surtout pour les personnes âgées qu'on voit qui sont debout. C'est pas confortable, mais regarde. Comment on se met, on se tient debout, dans les autres. Il n'y a pas de chaise pour eux, pour s'asseoir, pour attendre le bus. Hein. Quand il pleut, ben on essaye de tous rentrer sous ce petit toit. Et forcément, il y en a qui se mouillent. C'est assez difficile. Des fois, tu vois les mamies qui ont mal aux jambes. Vous voyez, sur le bord de route, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de où s'asseoir. Parce qu'ils se tiennent là-bas, ils jouent, et puis ils peuvent tomber sur la route et avoir un accident. Pas d'abri, pas de banc. Aux heures de pointe, des grappes humaines s'agglutinent comme elles peuvent sur le moindre centimètre carré de libre. Aucune indication, ni sur les lignes, ni sur les horaires. Ça fait presque 2 heures qu'on est là. 2 heures. 2 heures que vous attendez? Oui, parce que comme il y a des écoles, on n'a pas assez de bus pour transférer des écoles. Alors ils vont vider d'abord les écoles et puis après, c'est nous qui passons en dernier. Quoi. Je trouve que c'est pas bien organisé. Il manque des infrastructures. Surtout pour s'asseoir, ça fait mal aux pieds de pouvoir se lever seulement. Le bus, tu l'attends longtemps? Ça fait plus d'une heure maintenant que je l'attends. T'es un peu fiou? Ouais, je suis fiou là. Mais bonne nouvelle, cela devrait finir. Un projet d'aménagement est dans les cartons. Nous avons prévu donc de rallonger un peu le trottoir où se trouvent actuellement les usagers du transport en commun. Mais c'est un aménagement qui va être couvert de manière à ce que les usagers soient mis à l'abri de la pluie. Plus largement, c'est tout le réseau qui devrait être remis à niveau, avec des arrêts de bus couverts partout où le pays est propriétaire du foncier, c'est-à-dire à peu près la moitié des 650 points d'arrêt de Tahiti. Mais la ponctualité des bus devrait aussi s'améliorer avec un nouveau système. Oui, alors à terme, les 240 bus qui sont prévus sur le réseau de transport en commun et le transport scolaire seront tous équipés d'un système de géolocalisation. Donc c'est un système qui permet de savoir à n'importe quel moment où se trouve le bus sur le réseau. Tous les bus devraient être équipés de ce système d'ici la fin de l'année 2020. Cela fait 18 ans que les transports publics se font comme ils peuvent. Apparemment, l'ère du bricolage est bientôt terminée. Vive le transport connecté. Et puis du côté de Paea, l'association Mataatea continue de militer contre le projet de la route du Sud. Dans le cadre de l'invité café de ce matin, Gilles Parzi, président de l'association, préfère que le pays investisse plutôt pour améliorer l'existant. L'écoute. Les solutions, elles sont dans l'amélioration de l'existant. Mm-hmm. Hein, tout le monde sait que ce rond-point dit du méridien, c'est là que ça bloque. Hein. Alors qu'à côté, juste à côté, il y a des terrains vagues où il n'y a rien, qui ne servent à rien et où pourraient être nettement améliorés. Ça pourrait vraiment permettre de faire un véritable rond-point ou je ne sais pas trop quoi. C'est aux ingénieurs de trouver la solution. Mais en tout cas, visiblement, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est là que ça bloque. Et parmi les projets du pays qui ont abouti, celui d'un nouveau centre de santé pour personnes obèses. Après la fermeture de la maison du diabète, place aujourd'hui au centre Ora Ora, conçu comme un hôpital de jour. Il accueillera les patients surpoids pour une éducation thérapeutique. Selon le docteur Monconduit, la thérapie fonctionne lorsque le patient devient maître de son avenir. Le reportage de Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfou. Il n'y a encore personne, mais à terme, le centre Ora Ora, inauguré aujourd'hui, accueillera 16 patients obèses ou diabétiques pour une éducation thérapeutique ou un suivi post-opératoire, uniquement sur indication médicale. Pour les principaux concernés, cela rappelle de vieux souvenirs. Ça remplace un peu la maison du diabète. Comme ici, il y a beaucoup de choses que je vois, quelqu'un qui est diabétique pour faire des activités sportives. Et puis il y a même une infirmière qui est là pour pouvoir rencontrer les patients, les diabétiques, pour pouvoir s'exprimer. Et puis ce que j'ai entendu dire aussi, il y a quelqu'un aussi qui les apprenne comment il faudra préparer leur repas, ce qu'il y avait avant. L'équipe pluridisciplinaire accueillera les patients en journée pour travailler le corps, mais aussi l'esprit. De l'exercice physique avec un suivi médical, également un accompagnement psychologique, des groupes de parole et réapprendre à cuisiner, l'aboutissement de 2 ans de préparation. C'est une maladie endémique, mais en même temps très complexe à traiter. C'est la seule pathologie qui ne se traite pas de manière médicale.
donc où il faut de la pluridisciplinarité, donc ce centre a cette vocation de prendre en charge le patient obèse de façon pluridisciplinaire. Ça va être assez global et très concret sur qu'est-ce que je mets dans l'assiette, qu'est-ce que je vais acheter, et est-ce que je peux manger beaucoup, pas beaucoup, et qu'est-ce qu'il faut que j'évite. Et en fonction de mes budgets, c'est aussi le côté concret, qu'est-ce qu'on m'autorise et comment je peux m'organiser. La CPS devrait couvrir les frais à 100% sur indication médicale. En attendant, le centre Ora Ora a fait venir un spécialiste de l'obésité de Toulouse. Le docteur Sanguignol doit former les équipes de la future structure. L'obésité se complique, enfin complique tous les organes, le cœur, les poumons, la peau, le foie, entraîne du diabète, entraîne des problèmes de cholestérol. Mais il faut ajouter à ça une prise en charge diététique, physique et psychologique. Et ce n'est que quand on approche de façon globale et pluridisciplinaire l'obésité que l'on arrive à des résultats. Un régime seul ne marche jamais, en tout cas durablement. Le parcours de soins devrait s'étaler sur une base de 6 semaines. Les fondateurs espèrent pouvoir accueillir les premiers patients courant octobre. Voilà, la prise en charge des personnes obèses, il en sera question demain dans le cadre de l'invité café avec justement le docteur Frédéric Sanguignol, médecin nutritionniste. Il viendra nous parler de sa méthode pour lutter contre l'obésité. C'est ce qu'il pratique dans sa clinique. Un événement maintenant, ils ont entre 18 et 30 ans et ont tous un rêve, devenir Mister Tahiti 2019. Après avoir été élus dans leur propre commune, ils sont 12 candidats de Tahiti, des Tuamotu, des Australes, à briguer le titre. Ils ont passé les oraux aujourd'hui avant de poser pour quelques photos. On écoute Mainatea Salmon au micro de Gilles Tautou et Patita Sal. On n'est plus dans notre coin, quoi. On est dans la brousse. Je voulais découvrir un peu ce que c'est ce monde du projecteur, la scène et tout, l'amour, le peuple, la foule. Je voulais connaître ce petit délire, quoi. Tu es voilà. Très à l'aise, hein, très communicant. Voilà. Pour toi, la scène, pour ce concours, qu'est-ce qui peut faire la différence? Ah, par rapport à moi, honnêtement, avec tous les copains là, on est tous sur la même longueur d'onde. Ce qui peut faire la différence, je pense, c'est vraiment le contact avec le peuple, avec les gens. Et, comme on dit, de montrer que faire la promotion de notre culture à travers cette élection. Voilà. Enfin, pour clore ce journal, je vous emmène à Mahina, sur la route de la Pointe Vénus, à la rencontre de Fredo Villierme. Cet ancien pêcheur reconverti à l'horticulture est aussi le gardien de la zone de pêche protégée de la commune, en attendant la police verte qui devrait le remplacer. Mais pour l'heure, c'est avec beaucoup de passion qu'il cultive ses crotons. Son portrait est signé Caroline Fary et Mirko Van Fou. Cette propriété, elle était mangée par la mer, quoi, tout doucement. Et ben, si ça avait continué à manger, ils auraient eu un problème à l'école. Alors du coup, ils ont fait le remblai. Et on s'est débrouillé à remplir la terre. Du coup, la terre, c'est du tahara. Tu vois, quand ils ont fait leur piscine, ils ont emmené la terre là, ils ont remblayé. Un havre de paix en bord de mer, c'est ici qu'habite Fredo. Un petit bout de terre généreux sur lequel cet ancien pêcheur professionnel fait pousser depuis peu ses plantes avec amour. Une fois que les racines ont pris, alors tu sépares tes plantes et puis là elles ont commencé, ça fait peut-être 2 semaines qu'elles sont dans la terre, hein, pour qu'elles commencent. Elles sont toutes jeunes ces boutures. À la pêche, tu vois, le poisson, il vient du bon Dieu, tandis que la plante, c'est toi qui dois fournir ton effort pour l'avoir, quoi. C'est là la petite différence. La pêche, Fredo la pratique toujours. Gardien du sentier aquatique de Mahina, il veille à ce que la zone demeure protégée d'une surpêche. Avant, c'était pas fermé, alors il fallait s'imposer pour en arriver jusqu'à ce que c'est maintenant. Hein. C'est un rahoui total. Hein. C'est pas moi qui ai mis ça en place, c'est la mairie, hein, quand même. Hein. Mais je peux tirer un chapeau parce que ils ont eu le courage de le faire, quoi. C'est peut-être une chose anti-électorale. Ce père de famille de 54 ans, aujourd'hui grand-père, espère beaucoup pour ses petits-enfants. Ça, c'est le petit diamant, ça, de la famille.
Une jeunesse que Fredo souhaite voir évoluer vers une véritable autonomie. Même si tu n'es pas bachelier, même si tu n'as pas de brevet ou de diplôme, tu n'as pas de travail, mais avec un peu de courage, avec peut-être un peu de jugeote, on peut trouver ce qu'il faut, qui nous convient pour s'en sortir, quoi. C'est ça qu'on appelle le vrai Tiamara. Hein. Une version de l'indépendance toute personnelle pour cet amoureux de la nature. Voilà, ne manquez pas juste après ce journal votre magazine Patitifa consacré au violent cyclone qui a ravagé l'atoll de Hana en 1906 et qui a fait plus d'une centaine de morts. Un magazine réalisé par Jacques Navarro, en voici un extrait. Dans l'église, tout le monde avait peur. Il est au meilleur endroit pour mourir. Il y en a qui se sont attachés au cocotier. Là, ce que j'ai compris, il y en a des morts. Il y en a carrément retrouvé les squelettes. Hein. Mais on pliait, on attendait là, le moment de mourir, quoi. La journée du 8 février 1906, il y a eu 95 morts à Hana. Un paysage ravagé, tout est détruit. Voilà, je vous rappelle l'info principale de cette édition. Comme en France, en ce lundi de deuil national, les Polynésiens ont rendu un dernier hommage à Jacques Chirac, à Ouapo, au commissariat, mais aussi à Tahiti. De nombreuses personnes ont tenu à saluer sa mémoire. Une journée qui s'est terminée par une dernière messe célébrée à l'église Mariano Tehau à Papeete. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Obésité, soigner le corps et l'esprit ». Tahiti Info, 12 prétendants pour Mister Tahiti. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'Info Radio, c'est avec Alos Natoua et Ibrahim Abenazi. À suivre Patitifa, ensuite retour dans Heheu sur le bombardement de Papeete du 22 septembre 1914. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.